Bonjour à tous, alors pour notre quatrième jour de confinement, je vais pouvoir vous faire des éclairs au chocolat avec un craquelin. Donc le craquelin, on va le faire tout de suite. On a 60 g de beurre ramolli coupé en dés. On a aussi 70 g de farine et 70 g de cassonade. Donc on va faire tourner ça tout de suite. Vous pouvez faire aussi si vous n'avez pas de batteur à la main. Une fois que tous vos ingrédients sont bien incorporés, on va pouvoir la retravailler et former une pâte. Et ensuite, on va prendre deux feuilles de papier sulfurisé et l'étaler entre nos deux feuilles de papier sulfurisé. Une première fois dans la longueur et après dans la largeur. Une fois que vous l'avez étalé, mettez-le au congèle pour bien qu'il fige et pouvoir le détailler plus tard. On continue du coup avec nos éclairs. Donc la pâte à choux, j'ai mis donc dans ma casserole 57 g de beurre, 57 g d'eau et 57 g de lait. J'ai mis aussi 1 g de sel et 2 g de sucre. Vous pouvez évidemment multiplier cette recette par 2 facilement. J'ai 57 g de farine dans un petit cul-de-poule et j'ai 2 œufs que j'ai bien fouettés dans un autre petit cul-de-poule. Je vais vous expliquer après pourquoi. Je vais faire chauffer tout de suite dans ma casserole toute ma préparation et ensuite je vais pouvoir dessécher avec la farine. Donc vous voyez, une fois que ça a bien bouilli, je vais pouvoir rajouter ma farine. Donc là, ça nous fait une pâte. On va pouvoir la remettre sur le feu pour la dessécher un petit peu. Dès que votre pâte à choux se décolle du fond de votre casserole assez facilement, vous pouvez la retirer du feu et on va pouvoir la travailler avec les œufs. Vous voyez, elle se décolle facilement du fond de ma casserole. Je vais pouvoir la transvaser dans un autre récipient et on va pouvoir y ajouter nos œufs. Alors les œufs, on va les incorporer en 3 fois et on va les incorporer bien fouettés parce que quand ils sont fouettés, ils sont plus faciles forcément à incorporer entre le jaune et le blanc et aussi parce que on va pas utiliser totalement les deux œufs. Une fois que nos œufs sont bien incorporés, on va pouvoir travailler la pâte pendant 1 à 2 minutes à la main. Vous pouvez la faire aussi au batteur. On va pouvoir ajouter une autre partie. Pour savoir si notre pâte à choux est prête, on a juste à faire un petit tas de pâte à choux et me passer notre doigt dedans. Et si la pâte à choux se referme tranquillement, ça veut dire que notre pâte à choux est prête. Là, on vient de voir que la pâte à choux est encore trop solide. Je vais encore rajouter des œufs. J'ai mis un petit peu de pâte à choux au bord de ma plaque pour pouvoir coller la feuille, pour ne pas qu'elle me dérange pendant mon dressage. Je vais pouvoir dresser mes éclairs. J'ai pris une corne pour m'aider pour la taille de mes éclairs parce que la largeur de cette corne fait exactement la taille de mes éclairs. Donc avec ma recette, j'ai réussi à faire 6 beaux éclairs et un dernier éclair parce qu'avec la fin de ma poche, c'est pas forcément facile à dresser. Je vais pouvoir détailler mon craquelin à la taille de mes éclairs. Dans ma découpe, il me manque un, mais je vais en profiter pour vous montrer le résultat avec craquelin et sans craquelin. Vous pouvez évidemment réutiliser le craquelin, le mettre en boule, le réétaler. Vous pouvez aussi le mettre au congélateur pour une prochaine pâte à choux. Pour la cuisson de nos éclairs, on va être sur du 220 degrés pendant à peu près une vingtaine de minutes, entre 20 et 27 minutes exactement. Du coup, on va continuer avec notre glaçage au chocolat pour mettre au-dessus de nos éclairs. On peut utiliser juste du chocolat nature, mais moi, je vais vous proposer un vrai glaçage. On va pouvoir mettre du sucre, de l'eau et du glucose dans une casserole pour le faire bouillir. On a aussi dans un petit cul-de-poule du chocolat, du nappage neutre, du lait concentré sucré. Le nappage neutre, vous pouvez le trouver en magasin et aussi le glucose. Mais sinon, je vous mets une recette pour le nappage neutre en dessous de la vidéo. Du coup, on va faire tout de suite chauffer notre sucre, notre eau et notre glucose pour le verser sur notre cul-de-poule et pouvoir mixer le tout. Voilà, donc le tout est bien homogène, ça boue bien. On va pouvoir tout verser sur le cul-de-poule et bien mixer. Voilà, notre glaçage est prêt, on va pouvoir le filmer et le mettre au frigo pendant au minimum 3 heures. Du coup, on va continuer avec notre crème pour notre éclair. Donc, c'est une crème pâtissière avec du chocolat au lait. Donc, j'ai mis de l'eau et un petit peu de sucre dans ma casserole. J'ai mis le restant de sucre et la poudre à crème dans un autre cul-de-poule avec l'œuf et j'ai bien fouetté. J'ai aussi un peu de chocolat au lait qui me reste de la recette d'hier pour les spritz au chocolat. J'ai exactement le poids qu'il faut, 100 grammes. Vous pouvez rajouter plus ou moins selon vos envies. Du coup, je vais pouvoir faire chauffer mon lait. Voilà, donc là, mon lait bouge. Je vais pouvoir reverser le tout dans mon cul-de-poule, bien fouetté pour incorporer notre préparation. Et reverser le tout dans ma petite casserole. Une fois dans ma petite casserole, je vais pouvoir la remettre sur le feu à feu moyen et je vais pouvoir sans arrêt fouetter pour qu'elle épaississe. Je vais pouvoir reverser le tout dans mon cul-de-poule. Ensuite, je vais pouvoir mettre mon chocolat dans ma crème pâtissière et bien mixer l'ensemble. Une fois que tout est bien mixé, je vais pouvoir la filmer, la mettre au frigo le temps qu'elle refroidisse. Du coup, j'ai repassé mes éclairs au four pour les rendre un peu plus croustillants. J'ai mes petites crèmes de côté que j'ai bien fouettées pour les retravailler, pour les rendre un peu plus lisses. J'ai pris des poches avec des douilles unies de 9 et 8 et je vais pouvoir commencer à garnir mes éclairs. J'ai du coup ma crème pâtissière au chocolat au lait. J'ai aussi une crème au chocolat que j'ai faite le deuxième jour du confinement, que j'avais dit que j'allais réutiliser pour mes éclairs, donc on va le faire aujourd'hui. Du coup, on va pouvoir garnir nos éclairs. Donc j'ai pris une petite douille pour percer le dos de mon éclair, comme ceci. Vous voyez du coup le résultat d'un éclair avec craquelin et d'un éclair sans craquelin. Vous voyez que ici ça a explosé et avec craquelin ça n'a pas du tout explosé. Je vais donc d'abord garnir de crème pâtissière au chocolat au lait.
racler le dos de mes éclairs dans mon bol. Et je vais finir par garnir avec ma crème au chocolat. Et je vais pouvoir mettre au micro-ondes à chauffer mon glaçage pour les éclairs. Pour travailler mon glaçage, je vais utiliser une cuillère, une marise ou une palette, mais surtout pas de fouet parce que ça va incorporer de l'air et ça va faire des bulles sur notre glaçage et c'est absolument pas ce qu'on veut. Pour le glaçage, je vais donc vous montrer comment ça se passe. Pour la température, c'est à la température du corps, c'est-à-dire que si vous mettez votre doigt dedans, il ne doit pas être trop chaud ni trop froid. Je vais donc pouvoir prendre mon éclair, le tremper, le relever, enlever juste le surplus. Et barber les bords. Voilà, nos éclairs sont terminés. Vous pouvez utiliser le glaçage des éclairs pour aussi glacer des gâteaux en très très fine couche. Le garder au congélateur ou au frais pendant 7 jours. Je vous souhaite un bon appétit. On se retrouve demain pour la prochaine recette.